Et bonjour internotatrice, c'est internotateur, c'est Gaiden pour les jeux du cygne. Et toujours avec Éternel. Alors, coucou. On a fait les fesses à des nains, on a fait les fesses à du Kislevite. Et pendant ce temps, qu'est-ce qu'il a fait notre petit mort-vivant? Il brûle, il va prendre Karaka Olympique. Et Ah. bah je vais continuer à taper sur ce qu'il y a de plus proche, donc c'est la lune, c'est la mauvaise lune. On voit que Karazakara commence à tomber sur le clan Worms. Alors, je pense qu'il lui est déjà tombé dessus, parce que vu l'état. Enfin, je sais pas, il a une armée à 10 là. Non, non, Rocher Noir a pas Oui, bougé. mais Black Crag, mais je comprends pas, parce que Black Crag, il a une armée. Une armée, c'est rang 4, c'est pas avec son armée qui va lui faire grand-chose là. Sais pas où est l'autre. Il a une autre grosse armée Il au a clan Worms. sans doute plusieurs autres grosses armées, mais. Donc là, la Comme c'est peste. une faction majeure, il a dû avoir au moins 4 armées qui ont pop, je pense. Alors, voilà. Bah oui, en attendant, là pour l'instant je pille, comme je suis pas à portée, au prochain tour, bah j'attaque, hein, comme d'hab. Le problème c'est que se déplacer dans les montagnes c'est chiant. Ah oui, donc Karaka Wifi par contre c'est ville niveau 5. Avec bâtiment de garnison. Ouais. Ah non, même pas. Mon chef, il est de nouveau full life. Une bonne garnison me. Rien dont je ne saurais venir à bout normalement. On va lui donner plus de PV au chef. Bon, et donc du coup, il n'a pas terminé les orques. Il fait chouette. Ah, il lui reste peut-être encore une armée pour le faire, mais. Ça, c'est fait. Hop. Slice main. Ouais. Attends, après, l'autre option, c'est d'aller lui rouler dessus à Gamdor. Il lui reste 5 Oui, pour l'instant. certes. Ah non, mais en fait, il s'attaque à Gringor, mais au nord. Ah. Il lui a pris Bloodpeak. Hop. Ouais, c'est de l'auto. Pouf. 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 C'est bien l'autopouf. Ouais, c'est toi la pouf. Oh, comment je Et suis. après, c'est moi qui fais des blagues de merde. Comment je suis vindicatif sur mes blagues, quoi. Ah, c'est ça. Comme les panneaux? Perceval sort de ce corps. Toi, tu fais puissance des armes. Ah, il a bien compris que ce qui marchait contre les morts-vivants, c'était les trolls. Hein. Est-ce que tu penses qu'il a vraiment compris? Dans l'armée qui recrute, il y a la moitié de trolls. Est-ce qu'il a le choix? Peut-être qu'il ne peut pas recruter autre chose. Bah, des fanatiques. Des fanatiques, des gobelins. Bon. Toi, du coup, tu recrutes ici, en toute logique. Là, maintenant, je vais te faire recruter des vraies unités. Des vrais guerriers, des clans. Ah, tiens, je suis pas en train de déplacer à Trott, et ça lag quand même. Ah c'est bien, il a aussi mis une ou deux pelletées à Wurzag. Karazakarak. Karazakarak, ouais. Putain. Et Wurzag est déjà a bien reculé aussi. Donc ça sera un peu moins dangereux de l'avoir pour voisin du coup. Quand il aura pris quelques tôles. Alors là, je peux recruter. Ah ouais, c'est pas du guerrier du clan avec bouclier. Bon, en même temps, bouclier face aux ogres, je suis pas sûr que ça serve à grand chose. Et à moins qu'il ait du Maniteur ou du Leadbatcher, et encore même contre le Leadbatcher, je suis pas certain que ça serve à grand chose. Combien je peux recruter en un tour? 1, 2, 3, Ah oui, c'est 4, vrai que t'as 5, 6, une. 7, 8. T'as une petite rébellion là. Oui. 2, 4, 6. Allez, au revoir les esclaves. Alors après, j'ai à dire, je peux recruter une armée pour lui péter les dents, mais. Non, non, mais j'arrive. J'ai plus les moyens. Hop. Alors, toi, tu pilles, mais tu veux pas piller longtemps, je suis désolé de te le dire. Oh, tac. Allez. Hop.
Doom Decay. Je passe en marche forcée. Oui, c'est bon, je peux y être. J'ai une telle portée sur de déplacement globalement, c'est assez effarant. Hop. Et là. Mais là que je redoute un peu. Une armée de. De mort-vivant. De. Non, non, de. D'hommes lézards. Et tu leur as déclaré rien ? Bah oui, je te rappelle. Ah oui, t'avais que... pas le choix, oui, c'est pour. Oui. Ah ça y est, tu les as détruits ? Ça y est. Bon, bah, je pourrais pas les confédérer du coup. Ah bah non, ça m'aurait pas arrangé, franchement. Tu m'aurais bah, fait si. Bah si, j'ai confédéré, je te revendais tout derrière. Oui. Je te filais tout derrière. Ouais. J'ai un peu peur pour ici. Mais de toute façon, ils ont jamais voulu donc. J'ai peut-être. Ah, je suis repassé en médium en fiabilité. Ouais, GG. Allez, renforce 8. Quand même me recruter une armée d'esclaves ici aussi. Reichland renforce 1. C'est pas souvent ça. Ah ouais. Ah, mais faut dire que c'est ton prochain voisin. Hein. C'est déjà quasiment ton voisin, Reichland. Ouais. Je sais pas comment est-ce qu'il est monté aussi haut, mais il est juste en dessous de Katarina là. Ah oui, mon voisin, bah il a confédéré. Il a du confédéré sale. Hein. Alors, Reichland successful. Où est-ce qu'il l'a envoyé son. Ah oui, en fait, oui, c'est non, je suis 8ème en rang de force, sachant que tous ceux qui sont devant, c'est des invasions en fait. À part toi et le Reichland, 3ème c'est du nain, 4ème c'est du nain, 5ème c'est du nain. Échec. Du coup, je sais pas ce que sont 6 et 7. Alors, si, il doit y avoir Magaron, j'imagine. Putain, ah, quoique, parce qu'ils ont dû se manger Grimgore sur les dents, eux. Ça monte lentement, le. Ah, bah non. Non, pas Grimgore, Gromgrindal. Non, Gromgrindal, ils sont 11. 5 settlements. Et l'ordre doré rend force 9 avec 17 settlements. Ah oui, ça veut dire que l'Empire est très très fort quoi. Et l'Empire est sacrément costaud là. Après, tous les autres c'est des petits. Hein. Il y a les Followers of Nagash qui ont 10 settlements. Krogar qui a 13 settlements. Et à part. Alors, ça va pas chercher loin. Hein. Là, je peux relancer un recrutement. World Walker. Ah, et si, et Wulfric qui a 13 settlements aussi. Alors, j'ai. Il faut de la vraie infanterie de ligne quand même. 1, 2, 3, 4. 5, 6. 7, 8 avec les deux ogres. Je vais prendre un autre ogre. J'adore le fait d'être une menace stratégique. Khemri, il aime bien. Ah ouais. C'est vrai. Et j'ai encore 3 emplacements. 1, 2 et 3. Okay. Dans 3 tours, cette armée, elle est opérationnelle. I must eat feed. Ensuite, je vais reprendre The Yensk. Hop. Scrooge. Oh. C'est efficace. A crime against the motherland. Ouais, t'as raison.
D'or. D'or. Hop. Alors, toi, je vais te faire recruter aussi. Hop. Putain, je recrute à tout va là. Mais là, je vais vraiment juste faire des esclaves. Je veux vraiment rien d'autre. Sinistre, c'est à peu près peinard là. Alors, qu'est-ce qui veut de l'XP? Toi, tu veux de l'XP. Tu veux le trophée d'assassin bientôt. Ok. Toi, pareil. Ouais, c'est toujours que des Saurus, hein. C'est assez tristoun, hein, ce qui peut. Ah oui, mais c'est ça en fait, le truc, c'est qu'il a très peu de bâtiments. Ah ben oui, mais c'est le problème du défenseur du grand plan, c'est une faction de vassal. C'est la faction vassale D'accord. de, Na Ouais, de je Nakai. vois. Et il se contente juste de tenir les points que Nakai a pris en fait. Ouais. Donc Nakai lui après peut les booster. Leur donner des ordres, leur faire des. Leur filer des invoques, des bonus et machin et tout ça, mais en tant que faction eux-mêmes, ils ont Il pas grand-chose présente en fait. aucun intérêt. En fait, ce qui est Non, c'est. bizarre, Ah ben c'est... non, c'est pas une faction, c'est une partie de. C'est une partie de Nakai en fait. Ce qui est Donc. presque bizarre, en fait, c'est que Nakai, J'ai. une fois battu, il disparaît définitivement, quoi. C'est le problème de la Horde, mais j'avais déjà souvenir de l'avoir déjà vu revenir Nakai, moi, mais. Alors, il faut peut-être juste qu'il ait une deuxième armée en fait. Ouais, Mais c'est peut-être le problème, c'est que là, il en avait trop qu'une seule tôt. et du coup, C'était trop tôt dans la Il faut qu'il y ait une partie deuxième et du horde. Et là, à coup... mon avis, je pense qu'il n'y avait pas de deuxième horde et c'est pour ça. Mais du coup, effectivement, c'est une faction qui en elle-même ne sert pas à grand-chose en fait. Et encore, c'est déjà bien, ils peuvent recruter du Saurus s'ils sont pas limités au skink. Tant s'ils pouvaient recruter que du skink, ils auraient déjà disparu. Donc. Ouais, y a des armées d'hommes lézards qui ne s'appuient que sur le skink. Hein. Oui, mais il y a de la synergie derrière, il y a des héros, des Oui. machins, là t'as que dalle, t'as juste une seule unité quoi. Les compétences. Ah oui, toi. Ça sert pas grand-chose. Tac. T'es juste là en première ligne. Alors, bâtiment. Hop. On gère l'ordre public. La croissance. Et c'est tout. J'ai rien d'intéressant à construire ici, c'est les pharaons. On va essayer de conserver un minimum d'ordre public. Qu'est-ce que je peux construire d'autre avec mes 10 000 PO? Je peux construire ça, mais c'est pas ce qui m'intéresse le plus. Là, c'est assis, alors je peux peut-être me débloquer des. Ah oui, là, je peux débloquer une techno. Zanchi, je m'en fous un peu. Route impériale, je m'en fous un peu. Je peux dépliquer ça, mais. Sans grande conviction. Là, je veux corruption autorité. Et cesser de collecter les revenus. Hop. J'ai combien de régions? Putain, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 régions où je collecte pas les revenus. Ah ouais? 7, pardon. Beaucoup. 8. Ouais, mais en fait, l'autorité est tellement pourrave que...
Ça, je suis content, j'ai plus de problème avec ça. Là, je pourrais. On pourrait dire, je serais juste à moins 1. Tu vois, mon niveau ordre public. Ouais, ça fait quand même 406. Une province où ça descend. Et là, oui, mais c'est là-haut, c'est là-haut, c'est Karazakaroul. Karakazoul. Ouais. Parce que j'ai de la corruption, Skaven. Les qui célestes. Est de toute façon en train de descendre petit à petit, mais pas très vite, bizarrement. 8, j'ai 8 régions, je récolte pas les revenus. Bah, en même temps, t'as vu le nombre de régions que t'as après. Ouais, mais bon. Donc, Rictus ne veut plus être en PNA. Fidèle de Nagash, tiens. Ah, le clan Mance veut de nouveau faire du commerce. Bah ben oui, vu que t'as plus d'accord avec Rictus, ça ils aiment bien. Hop. Et tu me donnes des sous. Et peut-être même que tu pourras les confédérer un jour. Peut-être même. Je suis encore à moins 78, mais il faudrait qu'ils se prennent une ou deux bonnes claques pour ça. Je sais pas s'ils sont en guerre contre... Ah, ils sont en alliance avec... avec Korn, donc... C'est pas Korn qui ira leur taper dessus. Est-ce que je vais choper des sous avec les fidèles de Nagash? Toi, tu t'es... Tu me diras, je suis... Ah, moi, je suis... Bah oui, mais je suis vampire, moi, donc je suis en PNA, tout ce qu'il faut avec. Donc, Bah, ah, c'est eux qui tiennent Khemri. C'est intéressant. Je fais déjà du commerce... Ah oui, ils sont fait... C'est Tra, il s'est fait ratatiner, là. Donne-moi des sous. Pour que ce soit les followers de Nagash qui soient à Khemri. Ouais. C'est pas très très bon, ça. Alors, du coup, je vais encore pouvoir construire d'autres choses. Ah non. Après, il fallait aller chercher la pire mine noire. Mais c'est loin. Hop. Samchi, j'ai rien d'intéressant. Sedenberg qui est encore vivant. Allez, fin de tour. Généralement, les entre-deux tours sont souvent un peu agités. Ah, ces derniers tours, de toute façon, on a fait un épisode, un tour à chaque fois. C'est ça. Bah, il y a souvent une grosse bataille dessus, donc. Et il va sans doute y avoir une grosse au prochain tour si effectivement j'attaque Karakovipi. Ouais. Là, t'as posé le siège là? Non, pas encore, je suis trop loin. Donc, c'est le truc, c'est que ça sera peut-être que dans deux tours, parce qu'il y a un tour où je vais poser le siège et j'attaquerai qu'un tour après. Donc... Alors, Karazakara qui font rien. Du minerai quasiment. Le Reichland, ouais, il est. Ouais, putain, c'est dingue. C'est Reichland, c'est dingue en quand... doré, en effet, ils sont forts. C'est dingue que l'IA soit pas capable de mieux gérer les guerriers du chaos que ça. Tellement puissant comme faction et ils sont tous tout ridicules. Alors, il faut avoir en tête hein, que comme nous, on joue des factions orientées mauvaises, les factions orientées bonnes sont avantagées et les factions orientées mauvaises d'accord. Sont désavantagées. C'est étant, en plus on joue même pas dans les mêmes, on joue même pas dans le même bloc. Non mais bon. Ah, Karak Zeflin est mort. Ok. Ils ne seront pas réveillés longtemps, eux. C'est lesquels Karak Zeflin? C'est ceux qui sont à côté des elfes sylvains, je crois. Ah putain, il a posé le siège sur qui c'est. Il me semble. Fais chier, j'ai pas le temps de recruter. Ah non, c'est pas seul. Ah non, c'est ceux qui étaient à côté de Kemler. Ah oui. Bon, du coup, c'est bien, ça veut dire que Kemler va pas mourir à ce tour-ci. Merde de zut. Il m'arrange. Carrément, merde de zut. Ouais. Ça saoule. Bon, je vais avoir des nains à péter. Pour ne pas changer. Qu'est-ce qu'elle donne la garnison de Shillong? Oh, il est que niveau 1.
Venez, défaite écrasante. Non, défaite vaillante. Pala. Allez, engin de siège. Je peux construire 7 tours de siège en un tour là. Ouais, mais souviens-toi, ça avait Oui, bugué la dernière fois ça a bugué et ça ne construisait pas, mais ouais. les nains rebelles, c'est intéressant en fait, ils ont même pas reconstruit la ville. Il n'y a pas de mur. Je suis en Mais train de voir. je sais pas, je comprends pas trop ce qu'ils foutent, mais. Donc en fait du coup je vais pouvoir directement je vais pouvoir directement prendre la ville. Enfin, je vais juste avoir une armée à combattre. Du coup, il ne faut pas que je fasse un assaut de garnison, mais un assaut d'unité. Qu'est-ce qu'il a comme unité d'ailleurs? Oh putain. C'est n'importe quoi. Oui, ces unités, elles sont même pas très en forme. Par contre, il y a plein de charges explosives. Ouf! Oh la vache! L'efficacité du. Quel délire! L'efficacité de l'assaut, j'ai vu, c'est. Elle a fondu son armée. Juste avec une attaque d'assassin. Allez, oui, d'accord. Ça, c'est fait. Quoi, c'est les rebelles? Ouais, c'est les rebelles. Je vois parce que le nom s'affiche pas donc. Voilà, du coup, les prochains rebelles vont pop chez moi et pas ailleurs. Enfin, sur ma capitale, là où il y a mes deux armées. Ça va être nettement plus simple de gérer. Tu vois, là, typiquement, je suis en race dead et j'ai plus les points qui s'affichent de nouveau. Ouais. Et le truc, c'est que là, ah non, c'est. Comment ça se fait qu'il me propose d'en recruter deux en fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Il me propose de recruter deux horreurs des cryptes qui sont un point bleu alors que je suis à 9 sur 10. Bon, c'est pas très bon. Il m'a assiégé. Qui se lève avec Ekaterina. Et j'ai pas du tout toute mon. T'avais déplacé ton avant-poste? Oui. Dommage. Mais le problème c'est qu'il n'est pas encore fini de construire, c'est 3 tours. Si, si, il y a. Ah bon? J'ai trois unités dans la garnison. 1, 2, 3, 4, Mais. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Je suis à 11 points bleus et il me met que j'en suis qu'à 8. Ah non, enfin là, il met ça, il met je suis à 11 sur 10. Alors, il n'y a pas beaucoup d'unités, mais ça risque d'être trop d'unités quand même. De toute façon, je suis à 11 sur 10, donc tant pis. Tant pis pour lui, il fallait qu'il réagisse avant. Ouais, moi je l'ai eu sur 10 aussi, hein, pas longtemps. J'ai pas. Si. Une armée un peu originale Oh putain, je peux même pas le blesser lui. avec du Mongul. J'ai pas encore de Mongul. Pourquoi il est tout naze comme ça? J'ai recruté 6 unités, ça m'a coûté 13 000 PO. C'est une unité très pas mal. C'est du point bleu et du point violet, mais. Bon. J'essaierai de bouger au prochain tour, mais ça risque d'être trop tard. Il faudrait sans doute que je re-récupère Kislev. Est-ce que je vais à Erengrad? Il a Ah pas. non, effectivement, il me met que je suis à 0 tour pour wiper la garnison de Caraco Upik, donc je pense que c'est encore buggé. Écoute, on verra. Moi, je vais peut-être aussi avoir un gros combat si je prends Erengrad. De toute façon, du coup, ce sera pas pour ce tour-ci. J'ai plus de sous et j'ai tout déplacé. Prochain tour, je vais en avoir.
potentiellement deux. Ouh, mais attends, Krakadra qui s'est pris des chasses. Il y a la Légion du Chaos qui est là. Et qui a l'air de bien faire. Bah oui, le mais ménage. Ça reste une faction mineure. Hein. Ouais. Ah oui, t'as même le démon du chaos qui est là. Oui, c'est ça. Ah oui. Bah, c'est, enfin, c'est la faction. Oui, c'est ça, Legion of Chaos. Okay. Bon, écoute, du Legion coup, of Chaos, Demon of Chaos. Je vais aller prendre Erengrad, du coup. Bah, mais le truc, c'est Krakadra, qu'il faut que ce soit nous qui le prenions pour le défaut. Eh oui, je sais. Même la plus belle des jeunes filles ne peut donner que ce qu'elle a. Hein. Oui, mais ça serait bien qu'il se dépêche, la plus belle des jeunes filles. Hein, oui, parce bah, que elle le fera pas. J'en ai un qui a l'impression de faire un peu tout le travail tout seul, là. Ouais, bon, écoute, c'est comme ça. Mec, il tape sur des ogres moribonds et sur du caté finissant, et moi pendant ça je me tape des nains en pleine forme alors. Et je m'en suis tapé des nains aussi hein. Oh. Oui non, j'ai dit en pleine forme. T'as vu dans oh, quel état ils étaient tes nains? Tout de suite tu regardes au détail quoi. Hey. Bon. Ah c'est dommage, il est juste un tout petit peu trop. Putain, elle a recruté vite Katarina, hein, ce qui ouais, est de bah... tour, elle avait rien. C'est un tout petit peu... Surtout dans une ville mineure en plus, quoi. Viteo, c'est une ville mineure pour elle. Qu'elle a pu recruter. Ouais, du Strelcy. Ouais, il suffit d'avoir le bâtiment. Hein. Et du chariot léger. Ouais, c'est qui se lève. Ah ouais, et puis la garnison est pas folle. Hein. Ah non, 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 c'est pour ça que je dis que je risque de devoir reprendre. Allez. Quoi, il y a. À moi, il y a une goule. Et deux lanciers squelettes. Ouais. Oui, non, mais ça va pas suffire. Allez. Bah après, ça dépend. Si elle lance l'assaut contre les murs, elle va avoir mal. Hein. Ouais. Je suis pas sûr. Bah ça dépend, je sais pas du tout ce qu'elle a dans son armée, mais elle a jamais qu'une demi-armée quoi, donc elle ouais, a 11 unités. Moi j'ai même pas une demi-garnison. Oui mais t'as des murs et des tours quoi. Oui mais si y a personne sur les murs, ça change pas grand chose. Ouais quand même, t'es une demi-garnison, t'as plus d'unités qu'elle et toi t'as des engins de siège, enfin t'as oui, une catapulte. Oui, enfin mais... Mes unités, elles on sont... est d'accord elles que ce sera pas facile, je garantis mes pas. Mes unités, mais elles sont au quart rempli. Je dis pas que c'est évident, voire même que c'est gagnable, mais c'est jouable si elle lance l'assaut. Bon, je termine la dent d'or juste après. Au prochain tour, il n'y a plus personne. Enjoy. T'as réussi... Eh, mais t'as même pas réussi à choper. Eh ben non, je l'ai pas vu Goldtooth. Eh ben, t'es comme moi. T'as pas réussi à choper Yeoming, t'as pas réussi à choper Goldtooth. Oui, sinon, parce qu'il avait un camp à côté de Grimgore il y a pas très longtemps. Mais... Oui, mais il l'a plus. J'ai l'impression qu'il est disparu. Oui, je suis passé dessus. Non, non, mais à côté, très en haut, à côté de Grimgore, ah. À côté de Humble Peak. Mais comme il est en guerre contre Grimgore a dû lui péter. Bon, c'est bon pour moi, du coup. Bah, moi, je pense pas. T'as du gros combat à lancer, là, tout de suite ou... Je vais voir. Non, surtout au prochain tour. Est-ce qu'il a comme... Ouais. Je vais envoyer mon armée ouais, secondaire et je vais faire, un peu, là, je vais faire remonter Snitch. Je vais aller prendre un... Putain, mais Vilich, mais qu'est-ce que tu fous là? Putain, mais sérieux et... Ah mais attends, ils sont encore là tes rebelles? C'est pas ces rebelles-là que t'as pété? Non, 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 c'en est d'autres. D'accord. Bon, eux, j'attends qu'ils viennent s'écraser sur Sangou. Là, j'ai une armée qui fait que... Tant qu'ils viennent s'écraser sur toi et pas sur moi, ça me va. Bah, il y a aucune raison. Normalement, il y a aucune rebelles, raison. Les rebelles, ils vont toujours... C'est des rebelles Skaven et normalement, ils sont censés aller sur la capitale, où ils ont, sur la ville où ils ont pop. Mais... Avec la chance que j'ai. Et comme c'est l'IA... Il est où, Illich, là? Je l'ai perdu. Je le vois plus. Un, deux, trois, quatre...
4. Hop. Donc là, du coup, bah, je vais annuler le recrutement. De toute façon, ça sert pas à grand chose. Là, je peux tenter, hein, si je fais une sortie sur la mère Catherine. Ouais, non, la sortie, si ça peut se jouer, c'est avec les murs. Attends, qu'est-ce qu'il... Ah. Ah non, mais d'accord. Bon, je vais le mauvais truc sélectionner. Défaite de justesse. Putain. Il a quoi? Il a 3 cossards en armure avec arme lourde. Il a 2, 4, 4 stressy, un cossard avec lance et un lancier ailé. Plus Katerina et une demoiselle de givre. Donc la dose en sort. Écoute, on verra. Le problème, c'est que le secours, il arrivera dans longtemps. Donc, je suis pas super méga confiant. Hop. Encore 3000 sous. Hop. Il faut ça. Impérial, je m'en cogne. C'est pas une bouffe qui changera grand chose. Ouais, ce qu'il faut, c'est que j'arrive à choper Karakazorn et l'échanger avec Grimgor. C'est l'autre solution. Ou tu pètes sa gueule à Grimgor. Ou je pète sa gueule à Grimgor. Mais ensuite, on va encore dire que je fais pas grand chose pour l'alliance et tout et tout. Moi, j'en ai entendu qu'il disait ça. Je veux pas balancer de nom, mais. On essaie que c'est justifié. Ça, c'est eux qui disent que c'est justifié. Complètement. Mais je pense qu'il l'a su. Ouais. Ordre disponible. Voilà. Allez, fais le tour. Putain, t'as pas passé encore, quoi. Oui, je cherche un peu, d'accord. Non. Hop. La grande orthodoxie t'attaque de nouveau. Ouais, je vais reculer, là. C'est une sortie. C'est une sortie. Il a deux armées complètes. Enfin, il a une grosse garnison. Une retraite stratégique. Non, non, c'est pas une fuite. C'est que les mauvais coucheurs qui disent que c'est une fuite. Clan Morse, qu'est-ce que tu me veux? Alliance défensive. La dernière fois, ça n'a pas porté chance. Hein. En même temps, de toute façon, t'es déjà en guerre contre Wurzag. Non, honnêtement, j'ai rien à y gagner à part des emmerdes. Alors, j'ai ma fiabilité qui est à peine en train de remonter. Et t'as rien à y perdre, quelque part. Le fait de refuser, ça m'a. Non, j'ai. Voilà. Refuser ne me fait rien perdre. Accepter ne me ferait pas gagner grand chose à part 1000 PO. Ouais, oui, c'est ça, t'as juste 1000 PO à ne pas y gagner. Voilà, c'est... Victoire à la Pyrrhus. Ouf. C'est qui ça? Caraco épique qui sort. Ah, ouf. Bah, ça m'arrange, hein. Tu perds rien? Alors, si, je perds... ma deuxième armée se fait wipe complet, et je perds 5 unités dans mon armée principale, dont Mortis and Jain, donc on va la jouer. D'accord. Ça va être un combat long. Est-ce qu'on fait un épisode court et...
C'est toi qui vois. Long, je sais pas. Hein. Je bon, bah si, ça va être long. Ça va être du combat et du zombie, quoi. Mais pas que. Ouais, non, demain je me lève tôt. Non, on va sauvegarder et puis on va faire un épisode court et puis on fera la grosse bataille pour Caraco Olympique la prochaine fois. D'accord. Je vais m'arrêter là. Et du coup, on s'arrête là, là? Bah oui. Bah D'accord. c'est le truc, à mon avis, ce combat-là, si on le lance, on en est parti pour au moins 20 minutes, voire un peu plus, et quand même je me lève tôt demain. D'accord. Tant pis. Désolé. Quelle frustration. Et oui, c'est le cliffhanger. Mais que va-t-il se passer la prochaine fois? Donc, ouais, désolé. Ce serait pas raisonnable. Donc, bon, bah, mis internet, bah, tu me. Vas-y, fais rejoindre et puis on arrêtera. Juste histoire de voir de voir la bataille, de voir les effectifs. Puis on se le fera une prochaine fois. Il y a deux géants, une arak, Ah oui, lui, un seul troll. il n'a pas une grosse armée, lui. Non, non, c'est Ah, pas. d'accord. C'est pour ça que je suis pas convaincu que ça soit si loin que Ah ça. oui. Ouais, c'est du gros. Il y a un peu de gros, oui. Ça, tu veux que je joue, en fait. De quoi? Tu veux que je joue, c'est ça. Ah bon. Allez, bon, ce sera tant pis pour Ah, moi. tu l'as lancé finalement? Ouais, Ah je te déteste. non, Non, mais je pensais qu'il y avait une armée en plus, en fait. non, c'était juste une garnison. Donc... Ah non, il y aurait eu une armée en plus, ça aurait pas été la même. C'est pour ça que je pense que c'est pas forcément si long que ça. Va falloir essayer d'en péter un max par contre. Déconne. Alors. De la neige. T'attends des renforts ou... Vu mes renforts, non. Bah, pour servir de... Oui, mais j'ai des zombies dans cette armée-là aussi, C'est pas hein. faux. J'ai des zombies du Graveguard dans cette armée-là qui sont là pour être pétés, hein, donc. Hop. Y a pas de gyro-bombardier dans cette armée, j'ai vérifié. Et un petit peu plus équipé maintenant aussi, ma Banshee. Ouais, la Banshee elle avait bien tenu, c'est pas le problème. Ouais, elle est pris mid-life quand même, la Banshee. Oui, mais... C'est ça. Pourquoi est-ce qu'ils ne les organisent pas comme je demande ce coup? C'est pas grave. C'est quoi le plan, chef? C'est une bonne question. Ils arrivent dans combien de temps mes renforts? 43 secondes? Sachant que c'est lui qui attaque. Ouais. Ouais, j'ai reculé un peu. Oui, ça me Pour semble, avoir mes ça me semble renforts, relativement effectivement. raisonnable. Oui, non, effectivement. Moi, j'avais perdu le fait que c'était lui qui attaquait. Donc, il a une catapulte, j'en ai une aussi. Catapulte, je peux peut-être aller lui chasser hein, en plus. Ah, je peux mettre la Banshee. Genre la Banshee. Ah non, je peux pas me placer tout derrière. C'est dans les. Est-ce que je peux me mettre là non plus? Non, je peux pas l'attaquer dans le dos.
Mais je peux peut-être. Je vais me répartir en deux groupes. Je vais mettre un groupe gauche, un groupe à gauche, un groupe à droite. Histoire que. Selon ce qu'il fait. Je pourrais aller chercher son. Peut-être moyen d'arriver à faire des trucs avec ma magie cette fois-ci. C'est bon? Go, go, go. Ouf. Alors, elle est où sa catapulte? Il y a du monde quand même. Elle est loin. Mais elle n'a que 350 de portée. J'en ai plus. Ah ah ah. Bon, bah du coup, on va attendre. Hein. Il va venir. Moi je vais me reculer derrière les zombies. Hein. Derrière ma ligne à moi, oui. Ouais, parce que là Oui, là, tu serviras pas à grand chose, en j'ai. fait tu vas être juste en plein milieu donc C'est ça. ton autre groupe par contre. Lui, il va pouvoir faire quelque chose. Il va pouvoir, quand il aura fait passer Non. les costauds sur sanglier, je vais pouvoir aller le chatouiller derrière. T'es en x4 là, c'est ça? Absolument pas. Ça me Mais parce que rassure. j'ai mes renforts qui arrivent dans quelques secondes donc. Ah oui. Et encore, encore. Ah, il a changé d'orientation du coup. Non, pourquoi tu vas là? Pourquoi les costauds ils vont vers moi? Je suis pas d'accord. Les costauds sur son nid là. Alors, est-ce que je suis à portée de ma catapulte? Je suis à portée de ma catapulte. Est-ce que lui il est à portée de la sienne? Non, il n'est pas encore à portée avec la sienne. Black Orc? Ouais, on peut bien taper sur de l'orque noir. Allez. Mais du coup, il est en train de foncer sur mes renforts là, j'ai l'impression. Bah, tu peux avancer avec les tiens maintenant. Ah non. Non, non, non. 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 Putain! Qu'est-ce qu'il y a? Pause? Non, c'est bon. Il a vu l'un de mes. J'ai fait un misclick. Il a vu l'un de mes Spirit Host derrière, mais j'ai l'impression qu'il l'a ignoré. Tant mieux. Il s'est dit que le zombie c'était plus croustillant. Ah merci, ce nécromancien, il a pas de vent de mort. Et il les a vus, mais il les a totalement ignorés, quoi. Bon, je vais foncer sur sa catapulte avec mes chauves-souris, hein, t'en merde pas. Hop. Il l'a laissé complètement sans surveillance. Bah je suis en train d'y aller aussi. Bah, prends ses troupes, ses big guns Ok, ou des trucs dans le genre. d'accord. Non, Les chauves-souris, elles serviront à rien d'autre. j'allais Donc, prendre les archers. oui, voilà, ou genre ses archers. Ça charge un. Oui, je vois ça. En haut de la pente. Alors, là, ça a chargé ici. Du coup, tes éthérés qui sont dans mes lignes, Ouais, bon, je vais les gérer aussi. Hein. tu veux en faire quelque chose? Ok. Ouais. Je vais. Bon, je vais aller à la chasse au costaud sur sanglier. Alors. Ah, celui-là était pas mal. Bon, j'ai défoncé une de mes unités de zombies. Un détail.
J'adore la charge des Spirit Host qui... La catapulte est détruite. Ça va, ça se détruit. Laisse les Carn Wraith hein. sur les survivants, je vais y envoyer mes sur les poursuivants. Ah, sur les fuyards, je vais y envoyer mes chauves-souris. Ok. Elles seront beaucoup plus efficaces ailleurs, je pense. Ah, Victor à portée de main. Ça se passe bien. Oui, non, c'est. J'étais pas très inquiet et ça n'allait pas être très très long. Alors par contre, on a Ragnarok qui est en train de fuir juste derrière mes catapultes et qui je sens va récup, ça j'aime pas. Il y a une unité qui prend cher là. Je sais pas. Il y a une unité qui prend cher, je sais pas pourquoi. Ils sont où? Sur là où il y a son géant. Sur son lord, c'est peut-être son géant, je sais pas. En théorie. Ça fuit. Ouf, oui, il y a de la magie là. Ah, peut-être son lord. Il a son lord hein, là où il y a les unités. Hein. Bah, pourtant, c'est un spécialiste de mêlée sans rien, hein, mais. Bah, non, c'est pas de la magie, c'est peut-être la catapulte qui fait ça. Ouais. Je la stoppe. Écoute, je vais reculer mon monde. Hein. Oula, où est-ce qu'ils sont? Oh merde! T'as des carnes qui font rien là. Je sais ce que j'ai vu. J'en ai même deux en fait. L'autre c'est les orques noirs. Ça c'était étonnant. Ouais, le géant, je suis pas sûr que. Si peut-être les miens sont peut-être plus rapides. Ouais, ah ouais. Attends, de toute façon, s'il y a plus que ça. Les miens sont plus rapides que son géant. Hop. Oh putain. Les costauds sur son billet, c'est une vitesse de 60. Les éthérés, ils ont une vitesse de 56. Quoi. Bah, ça reste des cochons, hein. C'est pas non plus, des Pégases, quoi. Donc... Effectivement, le géant, ça va peut-être être costaud à tomber, mais... Bah, c'est-à-dire que ça s'arrête pas trop, quoi. Ça, juste, ah bon ça a une masse de 7500. Tu la vois où, la masse? En fait, tu vas sur le... À côté du tir 1, tir 2, tir 3, t'as petite entité... Ah ouais, d'accord, la masse 7500. C'est un peu gros. Les trolls, en comparaison, c'est 2000. Ah, c'est un géant, quoi. Le géant. C'est normal qu'il n'y ait quand même pas grand chose pour l'arrêter. Le géant est 4 fois plus gros et lourd que le troll. Bon, x2. Est-ce qu'elle fout mes chauves-souris? Allez.
Tac. Tu peux arrêter ta cata, s'il te plaît. Temps, il reste plus grand chose. Géant, on aura fait ce qu'on pouvait. Hein. J'y vais sur les 11 costauds qui restent. C'est ça, ouais. Je tue. Ils sont tombés. Là, c'est fini. Voilà. Voilà. Bon, et ben on va arrêter l'épisode là. J'espère qu'il vous aura plu, messieurs dames. Ou bah oui, ça ira. Kernowave 265. Ouais, non, mais elles se sont bien servies. Hein. 24 000 de dégâts. Honnête. Ah, catapulte à 93. Ouais. Bon, il y a peut-être un peu de friendly. Peut-être. Allez, on vous fait des Bisous bisous YouTube. et on vous dit à bientôt. Ciao, ciao!